Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Portus et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va plutôt pas mal, honnêtement je pète la forme d'ailleurs. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo ETS2, ça me fait ultra plaisir de pouvoir vous la tourner. Ça va être une vidéo assez importante parce que je vais vous expliquer le procédé des vidéos durant le mois de juin. Pourquoi il n'y a pas eu de carvlog, pourquoi normalement, si vous avez vu ma dernière vidéo à la place de cette vidéo, il aurait dû y avoir un carvlog, pourquoi n'est-il pas sorti. Là-dessus, je vais rester vague, mais en étant aussi précis, parce qu'en fait, il y a du personnel, donc je vais vraiment essayer de pas trop ouvrir ma langue, pas trop laisser ma langouille dehors, parce que vous savez comment est-ce que je fais. Là, on va le dire par là. Donc nous sommes à Neyland sur Grand Utopia. Oui, ça va, petit moment, nous sommes en point 40, donc mon volant qui s'est décentré, c'est super. Faut que j'aille où? Faut que j'aille à Brawen normalement. Sachant que c'est la dernière vidéo avant le brevet écrit, les amis, nous sommes vendredi 25 juin, il est 18h05. Donc voilà, c'est la dernière vidéo que vous allez voir avant mon brevet, la vidéo qui aura la suite, bah en fait... Le brevet sera passé, donc je sortais cette vidéo, voilà, histoire de truc, parce que je me suis dit, je voulais vous la sortir en mercredi, mais je me suis dit, Portus, si jamais tu sors la vidéo mercredi, tu vas pas être concentré le jour du brevet, et il faut pas que je me le chie, quoi, parce que, voilà, c'est le brevet, quoi, c'est le premier examen, je vais regarder par où il va me faire passer, histoire de mettre des points, parce que vous savez que moi, je prends jamais les routes qui m'indiquent, par exemple, là, on va passer par là pour gagner un petit peu de temps, hop, voilà, 52... On verra, je pense pas passer par l'autoroute. Hop là. Est-ce que tu peux faire ça? Oui. Je veux parler. Hop, boum. Non. Excusez-moi pour tous les points que je mets. Voilà. Je vais mettre un point ici. Et là, je vais mettre pour un point là. Un point là. Voilà. Mais là, ça fait... Ah, et par contre, je vais mettre aussi un point là. On met un avoid ici. Ouais, et ça fait ça. Bon, ça marque 1h28. Mais on va scinder quand même le trajet. Parce qu'honnêtement, je vais pas m'amuser à tout vous rec. Je vais pas faire une vidéo de 1h28. Parce qu'à la production, ça va prendre beaucoup. D'accord, mon rapport qui va passer. Ça va me prendre beaucoup trop de temps. Donc honnêtement, je préfère vous faire ça. Nous sommes dans Neyland, qui est normalement un des piliers de mes vidéos RP. Vidéos RP qui ne sortiront jamais parce qu'en fait j'ai tellement honte. Donc, je pense que je n'en aurai même pas. La version Utopia. Et en fait... On va commencer le sujet, donc comme dit TE dans la description, le bilan, tracé, tout ce que vous, comme vous l'appelez comme vous voulez, dans la description de la vidéo, lisez-les, je vous mets plein de trucs importants, voilà. D'ailleurs, je vous dis bonne fête de la musique en retard, hein, parce que c'était lundi. Vous aurez aussi dans la description le lien de ma playlist Spotify, et une playlist Spotify et une playlist YouTube. Que j'ai fait rien pour la fête de la musique. Donc la playlist YouTube est composée de attendez, parce que là moi je suis en train aussi d'ouvrir sur mon téléphone. Oh putain, attends, est-ce que je suis en train de recevoir des SMS à gogo là? Oui, hop là, je suis en train d'accélérer en même temps, je vous dis, hop, vidéo ETS2 annonce musique. Il y a 62 musiques sur la playlist YouTube et sur la playlist Spotify. J'ai Spotify. Mais pas Thérapie Taxi, s'il te plaît. Non, c'est pas celle qui a 104. Et l'autre, je crois. Faut que je vérifie. Alors se désabonner, ajouter au profil, ajouter à l'écran d'accueil. Normalement l'autre, il y a une vingtaine de chansons, je crois, qui sont plus récentes
sont plus récentes par contre, parce que c'est vrai que les vieilles musiques, je les écoute sur YouTube. Là, ça me fait penser à un truc que j'ai eu sur YouTube. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai eu, à une vidéo que j'ai vue là. Elle va mourir de reste. Du coup, là, je suis reprendre. Donc voilà. Normalement, je vais vous tourner le Carbloc 9. Bien. Non, je vais vous tourner là le Carbloc 9, mais finalement, je vais pas vous le tourner. Pour la simple et bonne raison qu'en fait. Lorsque je suis parti pour faire la vidéo, oula, c'est magnifique, attends, on va prendre une photo. Déjà comme ça, c'est joli. J'avais pas pris ma dashcam. Donc de 1 et de. Oula, j'appuie sur les mauvais boutons. Et de 2, en fait, j'étais pas. Il s'est passé quelque chose. Voilà, personnellement, il s'est passé quelque chose que j'ai pas trop envie de vous parler. Qui m'a poussé à ne pas vous tourner cette vidéo. Voilà, j'ai dû faire quelque chose de personnel, donc j'ai dit allez. J'ai pas envie de mêler YouTube et le perso et ma vie privée, même si bon, j'ai plus beaucoup de vie privée, mais bon, je garde ce qui me reste. Je garde le peu de vie privée. Par contre, je sais pas pourquoi. Je me loupe tout le temps l'embrayage et je dois me racheter des nouvelles chaussures. Disons que mes tongs là, elles ont 2 ans, les pauvrettes, elles sont en train de claquer. La blague de l'année. Bon voilà. Donc je vais vous faire. Après là, je vais vous parler quand on. Même là maintenant, je vais commencer à vous en parler. Du procédé en fait de mes vidéos pendant le mois de juillet. Ben oui les amis, le mois de juillet arrive à grands pas, c'est bientôt, c'est dans précisément, laissez-moi aller dans l'agenda de mon téléphone, mon taxe verte aussi, ah ouais mais je suis chargé de charge, ouais, 18. C'est dans 6 jours précisément, donc honnêtement ça va bientôt arriver et il faut que je vous explique comment j'ai fonctionné parce que disons que c'est un peu compliqué. Voilà, je vais devoir refaire un planning pour la simple et bonne raison que malheureusement, et ça m'a un petit peu fait chier quand je l'ai su, je n'aurai pas mon micro. C'est-à-dire que là, le micro que je me sers là actuellement pour cette vidéo, ben en fait, je ne l'aurai pas tout simplement. Alors, Utopia Stade, là par contre, faut pas que je prenne par là, faut que j'aille de l'autre côté. Je suis en train de réfléchir si je ne mettrai pas sur Drive ou je l'upload sur une autre chaîne YouTube en non répertorié. Si je vous mets pas les meilleurs moments. D'un trajet que j'ai fait sur Grand Utopia, j'ai fait du coup le 21 avril. J'ai fait cette vidéo, mais du coup, ouais, la vidéo, si jamais la vidéo sort ce soir, vous aurez, si cette vidéo là, je la sors ce soir, vous aurez la vidéo, le bilan, vous aurez la vidéo bonus samedi parce que je vais pas pouvoir m'amuser à tout upload, sinon je vais ruiner ma connexion, sachant que. Pour tout ce qui. Je pense que mes amis le savent et même je le dis tout le temps. Mais en fait, je suis en sous-sol. Le fait que je fais plus beaucoup de live, d'ailleurs, on va en parler des lives. Hein. Aussi, parce que là, je suis vraiment en train d'y réfléchir. C'est vrai que le mois de juin, ça a été un mois qui a été très compliqué pour les révisions de brevets. Voilà, j'ai un peu galéré pour tout ça. Du coup, normalement, là, c'est. Presque ok, il manque plus que quelques trucs. Disons que j'ai passé 2 semaines. Ça fait 2 semaines que j'ai plus en cours rien que pour réviser, les amis. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pu vous sortir quelques vidéos. Le Carblog 8, je suis désolé, c'était vraiment un timelapse. Ça m'a fait chier de vous le sortir parce qu'en fait je me suis aperçu déjà, même moi ça m'intéresse pas, dites vous bien que je m'en fous que les vidéos intéressent certaines personnes ou autres, mais en fait la règle d'or pour moi c'est que la vidéo m'intéresse, si elle m'intéresse pas ça sert à rien, parce qu'en fait l'intérêt, le seul intérêt que j'ai à faire les choses, ben en fait c'est mon intérêt personnel, c'est le plaisir, tout fait que
d'où le fait que c'est à mes yeux c'est pas vraiment un intérêt parce que un intérêt pour moi c'est qu'on a quelque chose en retour mais là moi j'ai rien juste de la satisfaction et voilà je suis heureux de vous raconter un petit peu certaines choses. Je suis déjà très content d'avoir repris cette chaîne YouTube en main parce que ça c'était assez important. Alors je suis franchement désolé pour les deux dernières traces écrites qui font quasiment 2 pages. D'ailleurs je précise que la trace écrite de la dernière vidéo et la trace écrite des sectes ont été modifiées. J'ai rajouté quelque chose en rouge. Je vous conseille d'aller le lire. Je vous les remets pas dans la description. Mais pour la trace écrite du coup du timelapse, vous allez dans ma dernière vidéo, pas dans celle-là mais celle d'avant. Et pour l'autre, pour celle des sectes, je l'ai mise où cette vidéo? Je crois, si je vous dis pas de conneries, que je l'ai mise sur le Carlock 7. Si je dis pas de conneries, le problème c'est que là j'aurais pas le temps de vérifier. Donc je vous dis ça en montage. Du coup, bon, moi là j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Donc je vous skip ce tunnel et puis on se retrouve une fois qu'on l'a passé. Allez, une fois qu'on a l'échangeur, à tout de suite. Re les amis, donc là, voilà, faut pas que je vous voie. Non, c'est pas. Là, faut que je serre à gauche, faut pas aller vers Malter. Donc là, on se retrouve au fameux échangeur. Hein. J'ai été plus clair dans la vidéo bonus, vous inquiétez pas. Par contre, la vidéo bonus, je pense que ça va être droit d'auteur sur droit d'auteur sur droit d'auteur sur droit d'auteur. Pour la simple et bonne raison que lors du tournage, j'étais tout simplement Skyrock. Donc ça va y faire. Bon là par contre on va aller vers le stade. Là je m'en souviens. Je laisse quand même, vous voyez mon GPS. Je laisse juste au cas où je fasse des conneries. Mais généralement ici j'en fais pas beaucoup parce que je connais. Donc Utopia depuis la 1.10 j'y vais beaucoup les amis. Pour les RP tout ça que je me fais dans ma petite tête. Que je vous raconte un petit fun fact hein. Lorsque je joue en off, en fait dans ma tête je me fais des RP. Je m'amuse à voilà me dire oh, je suis telle personne, je vais à tel endroit. What? Pourquoi il y a marqué Bordeaux Nord? Ce jeu est en train. Ouais, ce jeu part en couille. Hein. Sûrement la 1.41 qui fait tout sauter, mais à mon avis, ouais, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou, mais normalement de l'autre côté, ça doit pas être pareil parce que j'y suis allé. Vers la 6ème grande ville. Là, 6ème aéroport. Donc là, vous pouvez voir le périphérique. Normalement, pour aller vers la route côtière, on passe tout droit, mais j'ai pas trop envie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va repasser. Voilà, il y avait marqué Montmorillon, mais nous, on va voilà, direction de l'aéroport. L'avantage sur Grand Utopia, c'est qu'on peut faire un trajet sans prendre l'autoroute. Enfin, sans prendre l'autoroute, je m'entends. En gros, sans payer ne serait-ce qu'un centime. On y met rien, un cent, c'est juste là, j'aime pas trop dire. On va ralentir quand même. Bon, t'es juste inefficace, ce ralentisseur à la con. Voilà, on a en DAF XG, hein, le nouveau DAF. Et là, il faut pas que je me plante. Alors non, faut que j'aille par là. Et vous voyez, je vous dis, faut pas que je me plante, j'ai failli me planter. Et là, faut que j'aille par contre direction. Vous chargez, du coup, que je prenne la rocade. Il va falloir après que je sorte immédiatement. Voilà, je vous dis. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre. Est-ce que je vous mets une fiche pour vous dire à peu près l'itinéraire quoi pour sortir que vous n'ayez pas à tout rentrer dans votre GPS.
Non, je pense que ça sert à rien. Ça sert à rien déjà que je vais terminer assez tard ce soir, à mon avis. Il faudra la vidéo assez tard ce soir, du coup, je pense. Et donc là, on arrive en ville. Voilà, regardez-moi ça. Allez hop, au chart ville. Bon, par contre, c'est dommage qu'à chaque fois ça m'a retraité 0-0. Je pense que voilà, pour la version, du coup, pour la 1.41. Je pense que My Godness va quand même y retoucher un truc, et s'il fait rien, je pense que je lui enverrai un mail. Oula, oula, oula. Alors ça, c'est un truc que voilà, je n'aime pas quand j'arrive comme ça. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Donc voilà, hein, j'ai parlé du car block, c'était pour des raisons perso. Ensuite, je vais passer au véritable tournage du car block 9 et 10, sachant que le 9 sera tout seul et le 10 y aura une petite surprise. D'ailleurs, je suis en train de penser que pour tout ce qu'ils vont me demander où est le 2, le 2 sera retourné dans le. Enfin, j'essaierai de vous tourner le car block 2 sur les coups de décembre pour la simple et bonne raison que je vais pas. Oula, ouais, je vais pas m'amuser à vous tourner une vidéo, c'est la vidéo que je vous ai faite. D'ailleurs, pour ceux qui ont eu le temps de la voir quand elle était à l'envers, qu'en fait j'ai enclenché les effets miroir. Ben en fait, ça m'a. J'avais fait ça pour arriver à une plage et je vais pas m'amuser à vous refaire ça. Comme ça, au niveau d'une plage, c'est. Moi perso, je trouve que ça sert à. Là, attends, le fil qui. Il y a le fil de mon volant. D'ailleurs, ce fucking G27. Qu'en fait, j'ai l'axe X. Donc, l'axe de l'intérieur du volant. Ben, en fait, ça fait un an qu'il est décentré. C'est-à-dire que quand je le démarre, il est correct. Il fonctionne correctement. Mais après, voilà, il est décentré. Comme je le dis plusieurs fois. Et du coup, moi ça me fait un peu chier. Je vais voir si pareil cet été je me prends un G29. D'où le fait d'ailleurs, au niveau du car vlog 9, ce sera un car vlog comme d'habitude, je pense. Et pour le car vlog 10, il y aura une petite pépite. C'est-à-dire que je me suis arrangé avec Dylan Gamer 25 pour tourner là le prochain car vlog. Il manque plus qu'à faire les tests pour vous dire si du coup c'est la vidéo est tournable ou pas. Et si tout va bien, si mon PCR est négatif, vous aurez le car vlog 10 en Espagne. Ça y est, je vous dis petit à petit. Dès que j'aurai les résultats de mon test, c'est-à-dire mardi soir. Alors, je vous dis de suite. Si vous regardez cette vidéo mardi 29 juin 2021 à normalement vers 22h. J'essaie de modifier ça à 22h. Vous verrez, vous n'aurez pas ce fameux lien. Mais si vous voyez la vidéo à partir du mercredi 20 du mercredi 30 juin 2021, normalement sur les coups de midi, vous êtes censé trouver un lien dans la description avec des screens. Avec des screens de Google Maps pour vous indiquer, je vous en mettrai 4. Vous devrez deviner où est-ce que sera la prochaine vidéo. Sachant que pour un petit peu plus de trucs, Dylan ne le sait pas. Dylan ne sait pas où sera tournée la vidéo. Ça, il le saura au dernier moment. Quand je mettrai les screens, peut-être que je vais lui envoyer le corrigé. Et encore, il faut que je me décide. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Est-ce que vous. D'ailleurs, je vous mets une fiche là. Non, là, vous aurez une fiche en haut de votre écran. Vous vous demandez si vous aimez bien le retour de documents. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ce que vous en pensez, mettez-moi ça en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Parce que disons que je vous mets une fonctionnalité de retour de documents. Pour ceux qui savent pas, c'est les
les documents retournables sont l'intégralité des traces écrites ainsi qu'une partie des tutos. Une partie des tutos écrits ainsi, mais ça pour le moment c'est en réflexion, ainsi que les PowerPoint. Mais tous les PowerPoint que je mets en description, toutes les TE sont modifiables et retournables. D'où le fait que si vous regardez, ah oui, c'est que je peux pas faire. D'où le fait que si vous regardez bien, vous trouverez que vous pouvez éditer. Connard, là. Vous pouvez éditer les docs en fait, mais je vous conseille, lorsque vous éditez, faites une copie, parce que j'ai les seules personnes qui m'ont retourné des docs. Que vous êtes fait, vous êtes amusé à modifier le fichier d'origine. Non, moi je vous conseille, je vous dis, si vous voulez m'en tourner les documents, faites une copie. Vous téléchargez, vous faites un document ODT, un point doc si vous avez Office. Moi je vous conseille plus les ODT. Ensuite, vous me renvoyez le doc, je regarde et je retourne. Tout simplement. Je vous dis, parce qu'il n'y a pas encore des gens. Le peu de gens qui m'ont tourné les documents, ils ont pas pigé en fait comment ça a fonctionné, alors que je vous ai mis un tutoriel écrit quand même. Hein. Je vous ai mis un tuto écrit pour les docs. Alors peut-être que c'est pas assez clair. Moi je fais. C'est rare les tutos assez clairs que je fais. Bon ben les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais cut et puis on se retrouve une fois avoir passé Givelt. Parce que là je pense que j'ai bien 20 minutes de pause. Puis voilà. Allez, à tout de suite. Ok les amis, c'est bon, là on est à Givelt, là je suis en train de crever sur place les gars, je suis ultra fatigué, parce que je sais même pas si la vidéo va sortir aujourd'hui ou si elle sortira samedi. Les gars, dans l'état où je suis, c'est... J'ai jamais été aussi crevé. Mais bon, c'est la vie. Donc là, comme je vous ai dit, nous sommes à Givelt. Hein. Allez, hop. Et du coup, voilà, bon. Ça m'étonne qu'il nous fasse, il nous faut 43 minutes. Et rien que pour 34 km, c'est un petit peu... C'est juste pas raisonnable, en fait. Bon, par contre, j'ai mon max, il est vraiment... en train de se décentrer. Je vais essayer de vous mettre, je vais peut-être après vous mettre une photo, mais c'est, il se décentre comme Jaja quoi. Bien sûr. Tour d'Olan sur mer. Bon, par contre c'est bizarre, je vais retester F1 et F3. Oui. Ah merde! D'accord, j'appuie sur 1, sur F1 au lieu d'appuyer sur 1, d'accord, j'ai compris. Qu'en fait, j'arrivais pas à appuyer à recaler ma vue. Et je faisais qu'appuyer sur G1 parce que je sais pas si vous savez, sur le Logitech G910, et même je pense que sur les Logitech, là, je vous montre une petite photo de comment est mon clavier. Ben voilà, sachant que peut-être que je sais pas si. Est-ce que si je vous prends des. Dites-moi ça en commentaire si vous voulez que, vu qu'après il va se passer des shoots, est-ce que vous voulez que je vous prenne une photo de ma salle? Que je vous mette un PowerPoint avec des photos de ma salle. Et voilà, du coup de ce qu'il y a. Voilà, parce que j'ai pas mal de choses là-dedans, des choses très intéressantes d'ailleurs, sinon je les aurais pas achetées. Comme ça, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est à moi. Hein, il y aura les tags qu'on va cacher, hein, faut pas déconner. Il y a des choses, les amis, que comme je dis, elles doivent rester personnelles. Putain, on est à 30 km déjà de Daylor. En tout cas, je vais vous dire la vérité, au niveau de la route là qu'on est en train de faire, je préfère mille fois la. La route qu'on avait du côté de Neyland là, qu'on était encore un peu dans les montagnes. Là, honnêtement, je vous dis la vérité, je m'emmerde parce que
J'aime pas la ville. Déjà, je vous dis la vérité, j'aime pas rouler en ville. Et même là, c'est la mer. J'aime pas. Je déteste ça. Du coup, bon, là, j'y vais parce que bon, je suis un peu obligé. C'était surtout parce que c'était une raison qui m'allait plutôt bien. Donc, voilà. Faire ça, quoi. Mais je pense que ce sera la dernière fois que vous me voyez prendre des routes comme ça. Hein. Après, je vais peut-être vous faire. Par contre, ce qui restera, mais ça, c'est peut-être plus intéressant que je fasse ça sur ETS2, c'est les timelapses. Là, ça, les amis, pendant le mois de juillet, les timelapses restent. Donc, je vais résumer parce que ça, j'en ai pas beaucoup parlé. Je dis que j'aurais pas mon micro. Du coup, en fait, le mois de juillet va se concentrer sur majoritairement des car vlogs. Ça va être majoritairement ça, sans en bombarder non plus beaucoup. Mais grosso modo, déjà, je pense que pendant les vacances, ce sera pas une vidéo par semaine, mais une vidéo toutes les 2 semaines. Oh là là, par contre, je tourne à gauche. Vous allez comprendre pourquoi. Je pense que vous allez comprendre pourquoi je tourne à gauche. Maintenant, tout simplement parce qu'en fait, on va éviter la corniche de Saint-Bory parce qu'en fait, il faut rouler à 30. Et j'aime pas passer par là pour la simple et bonne raison que c'est toujours bondé de monde, il y a plein de piétons. Sans dire que j'aime pas les piétons, mais voilà, il y en a plein, c'est toujours rempli de monde. En plus, voilà, j'aime pas trop parce qu'il faut rouler très doucement. Or que par là où on va passer. Ça va être assez sympa, on va rester dans la ville mais on aura limite que ouais que de la petite route on aura. Que de la petite route comme ça. C'est peut-être un de mes passages préférés sur cette route en fait, sur la N3, c'est lorsque on la quitte pour prendre les petites routes. Ouh, je suis passé à un bol des deux. Sachant que je règle pas mon GPS tout simplement parce que dans tous les cas il va pas me faire passer par là où je veux, donc je préfère directement passer par là où moi j'ai envie de passer. Alors, là on est encore un peu dans les terres. À 30. Par contre, ce camion d'Afix-G, parce que on l'a essayé en vidéo. On l'a essayé en vidéo ou pas le XG? Je crois pas, non. Mais en tout cas, c'est un camion qui est super, sauf pour la ville. Pour la ville, c'est vraiment pas un camion qui est cool. En vrai, un camion qui est bien pour tout, c'est même pas le MP4, c'est le Renault T. Le Renault T, surtout là, le T Evolution, en vrai, c'est un camion qui est juste génial. Il est génial pour la simple et bonne raison que il est pas trop puissant. Il est pas en niveau puissance, c'est parfait. C'est un 420 chevaux. Alors que celui-là, c'est un 440, je crois, c'est un 520 chevaux. Donc honnêtement. Ça envoie quoi les. De toute façon, les DAS, ça a toujours envoyé beaucoup. Ça a toujours envoyé de la patate. Donc, hop là, Malter. C'est parfait. Et donc là, voilà comment est-ce qu'on passe. On évite la corniche de Given pour rester sur la M3. Voilà. Hein. Voilà la petite astuce à la portucienne. Sachant que sur la vidéo bilan. La vidéo que je vous mets, c'est je dis bilan tout simplement parce qu'en fait, lorsque j'ai créé la vidéo, lorsque moi j'ai fait la vidéo, je l'ai appelé bilan 21 avril. Tout simplement, c'est pour ça que plusieurs fois je vais prononcer le mot bilan, mais c'est beaucoup pour ça. Bon, là je suis en train de réfléchir si je passe, si je retombe pas à Malte. Si là, qu'est-ce qu'on fait, des amis? Est-ce qu'on part vers Malte ou est-ce. Vous avez trois choix, soit on part vers Malterre, soit on prend la D15, donc à partir de Boulogne-sur-Mer, après on prend la petite route, on fait vite, quitte à ce que je reparte de l'autre côté pour prendre l'autoroute. Ou est-ce qu'on continue sur les petites routes? Ouh, comme tu rentrais dedans. Ah là, je me suis cru en bagnole.
ou tout simplement continuer comme j'ai mis sur la N3 et ça va nous prendre pas mal de temps. Donc, je vais voir parce qu'il est 18h43, je sais même pas à quelle heure j'ai commencé à tourner la vidéo. Mais j'ai beaucoup coupé, je peux même pas m'y finir en fait. Hop, 70. Donc honnêtement, voilà, je vous demande, moi je suis habité, enfin, je pense savoir par où je vais passer. Mais quand même, qu'est-ce que là vous aurez fait à ma place? Du coup, voilà, le mois de juillet sera des cars vlogs. Ce sera des cars vlogs. Donc il y en aura un seul, un Vedian Gamer 25 sûr, et après les autres, je me démerde. Non, finalement, on va pas trop, on va aller toujours tout droit. Finalement, on va continuer à. Oula! Ouf, attendez. Je vais pas m'emmerder. Ça, je vous dis la vérité. Je déteste ça. Mais je sais! Mais je sais, bordel! Laissez-moi juste pouvoir rentrer dans mon camion! Voilà, c'est ce gros bug qui m'était encore arrivé là. Si je fais 1, 2, 1. C'est. Peut-être la caméra libre qui me cause ça, les amis. C'est peut-être un problème de caméra libre. Allez, on repart. 70, on va rester à 70. Et du coup, voilà, ce sera ça. Et encore des rabots le reste. Ben, moi, je sais même pas si je vais terminer ce trajet, si j'arrête pas là, les amis. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un petit trajet tranquille, surtout explicatif. Je rappelle, tout est dans la TE. Vous aurez du coup le bilan de la vidéo, vous aurez le nord, si tout va bien mercredi, vous aurez des screens, vous aurez, je vous mets tout les amis. Donc franchement, tout est dans la TE, je le fais, mais allez le voir parce que il y a des trucs que je vais pas forcément dire en vidéo, mais que je vais plus dire en la trace écrite. Par exemple, voilà, si j'ai oublié de dire un truc là dans la vidéo, bon là ça m'en vient pas, mais voilà quoi, si je m'en aperçois, je vais dire ça dans la, je vais marquer ça dans la trace écrite. Les infos importantes, je pense que je vais les mettre en rouge, et puis voilà quoi. Donc on se retrouve prochaine vidéo vendredi prochain pour le prochain. Ce sera normalement un car vlog qui sera beaucoup plus clair que ça parce que je suis parti un peu dans tous les sens. Et puis, ben voilà. Allez, à bientôt. C'était Portus. Adios, mon amour.